bien salut à tous et à toutes, c'était TGC et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Wind Waker. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Et aujourd'hui on est à Mercantile et on va faire pas mal de petites quêtes qui vont nous apporter des cartes de cœur et pas que. Donc déjà on va commencer par parler à elle. C'est une amie qui habite dans l'île de l'Aurore qui me l'a envoyé, donc on sait très bien qui c'est. Une amie qui... Ouais, exactement. Il m'a dit qu'il fallait donner un beau cliché de moi à l'homme. Tu veux bien prendre un cliché de moi et l'envoyer à l'homme que j'aime. Voilà. De la tête aux pieds. Ok, allez, du coup on va choper notre appareil photo. Et il faut trouver du coup le... Bon, c'est lui, hein. Pour tout dire, elle hante mes pensées. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, ton cliché ravive encore mes sentiments. Du calme, du calme. Attendre. Bon bah on va peut-être attendre. On va pas attendre dans le vide. On va aller voir la maîtresse de Mercantile qui nous avait dit à l'époque où on l'avait aidé avec ses gamins là. Elle nous avait dit j'aime les pendentifs du bonheur. Et ça tombe bien, j'en ai 23. J'en tremble l'émotion, hein, ça c'est ça le bonheur, alors je t'en prends 20 piles, je ne pourrais pas en prendre plus, et 20 c'est mon chiffre porte-honneur. Je vais comme promis te faire un magnifique cadeau pour te remercier, je t'offre ceci. Bon, c'est le titre de propriété de la villa, il est rédigé sur un parchemin jauni, il est sans doute bien vieux. Tantan, je possède cette villa au sud d'ici, mais je ne suis pas allé depuis une éternité, donc je te la donne. Haha, mais ferme donc la bouche, tu vas rester coincé comme ça. Ce droit de propriété montre que l'île t'appartient, j'en ai le père surtout pas. Tu sais, je ne suis plus toute jeune et les voyages en bateau ne me tentent plus beaucoup. Je préfère rester ici à m'occuper des enfants. L'île sud-est d'ici, c'est une petite île isolée, très calme, non loin d'une île triangulaire. Toi, à partir d'aujourd'hui, elle est à toi et à toi seul, vas-y, faire un tour. Au fait, ne le dis à personne, ok? Alors, ça, c'est plutôt cool. Et c'est plutôt obligatoire pour la quête principale, puisqu'il y a un fragment de Triforce caché sur cette fameuse île et qu'on ne peut pas y accéder. Si on n'a pas le titre de propriété, et eh bien c'est cette île, la fameuse île de Kissa. Le poisson nous avait dit en plus qu'elle appartient à la maîtresse. Voilà, et elle sera renommée en île de Link quand on aura, quand on y sera allé dessus. Donc ça c'est fait. Maintenant, alors est-ce que toi tu veux toujours parler ou non? Non. Alors tout. Non, c'est... Toon. Droite, gauche, bas. Déjà, j'aimerais voir la lune. C'est level est, hein, la lune.
Alors pourquoi je cherche la lune, hein? Parce qu'il y a le gars qui veut la photo de la pleine lune. On avait déjà essayé de faire la quête et puis je vous rappelle que c'était soldé par un échec parce que j'avais pas l'appareil photo couleur à l'époque. Genre, allez, acheter de la bouffe chez Terry. C'est pas la pleine lune, ok. Donc en plus c'est exactement lui hein, qui a la quête. Ah, nickel, elle est pas là. Je voulais pas vous parler. Lâchez-moi. Merci. Eh ben voilà, tout est bien qui finit bien. Eh ben voilà. Bon bah, continuons sur notre lancée de quête. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir chez les riches. Attendez, qui êtes-vous? Ça va? Vous n'êtes qu'un enfant, vous n'en savez pas un facteur. Si vous étiez un facteur, je vous aurais mis à la porte. Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part.
Donc effectivement, c'est le mec ultra pauvre qui est devenu ultra riche et le mec ultra riche qui est devenu ultra pauvre. Déjà, on va commencer par toi. Mais c'est un colis macabre comme ceux que Magui a rapporté de la forteresse maudite. On peut en obtenir au bon prix auprès des antiquaires. À vrai dire, c'est grâce à ces colis que je suis devenu si riche d'un jour à l'autre. Tiens, on dirait que vous en possédez une petite vingtaine. Ils sont pourtant pas si faciles à trouver. Je me demande comment vous avez fait. Hé, je croulerai sous la fortune. Tenez, mon garçon. Et ça, c'est pour vous, comme ça, parce que je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Voilà. Oh, une carte au trésor, c'est pas ouf. Bah, en fait, elle conduit un quart de cœur, celle-là. Mais voilà. J'étais pauvre, moi aussi. Dans mes rêves les plus fous, je partais à la recherche. Hein, surtout, croyez-en mon rêve. Nickel, merci, frère. Ah, vous voyez, en plus, il faut faire la maison hein, pour les fleurs. Oh, dire que je suis revenu sur cette île saine et sauve et dire que j'habite à présent dans cette superbe demeure, c'est comme si je vivais un rêve. Et pourtant, non, pas du tout. Quand il n'est pas auprès de moi, ma vie n'est qu'un cauchemar. Il a toujours été gentil avec moi à la forteresse maudite et quand je me suis enfui, il m'a offert tous ses colis qui veulent une fortune. Son nom à lui seul me réconforte. Moule Molbin de la forteresse maudite. Oh, bon, pourquoi faut-il que tu hantes toujours mon esprit? Je ne cesse de t'envoyer des lettres, Mo, dans lesquelles je te dis mes sentiments, pourquoi ne me réponds-tu jamais? Oh. Pardon, excuse-moi, j'étais perdu, mais j'ai une faveur à te demander. Non, je t'en prie, c'est important, tu veux bien. Je m'en charge. Vrai, comme je suis contente. Ah là là, on va devoir faire le facteur maintenant. Plus on l'envoie loin du bureau de poste de Lily Dragon, plus ça coûte cher, je vous dis. Ok, c'est cool, alors du coup. On va accélérer un petit peu. Hop, attendez. On va te faire une bêtise. Je pense qu'on doit être sur la pleine lune là. Ah ah, nickel. Alors. Bon, ça là. Bon, en gros, on peut la garder, on s'en fout. Tu comprends de ce que je parlais, c'est exactement ça, je parlais de la pleine lune. C'est vrai que j'ai mauvais caractère et que je n'aime pas grand chose dans la vie, mais j'adore la pleine lune et en particulier. J'adore la lune et en particulier la pleine lune. Excuse-moi de t'avoir embêté, merci beaucoup, ce cadeau vient du fond du cœur, prends-le. Nice, merci, super. Donc ça là aussi mène à un quart de cœur. Hein.
Je crois que cette carte indique l'emplacement, non. Nickel, et normalement on a dû recevoir la réponse. Ah, ou alors on la reçoit directement. Ah oui, plutôt ça. Ah voilà. Incroyable, vous ne comprenez vraiment rien. Taisez-vous, je vous ai déjà dit que les facteurs n'étaient pas admis ici. Allez-vous-en. Ça alors. Et dire que cette histoire m'avait attendri que je suis allé jusqu'à la forteresse maudite chercher la lettre de mots. Taisez-vous, allez-vous-en. Mais signez au moins l'accusé de réception. Taisez-vous, allez-vous-en. Juste une signature. Taisez-vous, allez-vous-en. Bon, ça suffit, puisqu'on ne peut pas lui faire entendre raison. J'en ai marre, maintenant je vais aller me rafraîchir, il faut que je me calme. Quel malotru ce facteur. Je ne connais aucun mot, ni qui que ce soit à la forteresse maudite d'ailleurs, mais il refuse de comprendre. S'il croit que je vais lui laisser donner la moindre lettre à ma fille unique Maggie, il se trompe. Je ne laisserai aucune lettre lui parvenir. Pire père ever. Il est où le facteur? Il était resté dans la maison, je crois qu'il était sorti. Eh bien, où est ce facteur? Il est peut-être à la taverne. Oui, il est là. Tiens, c'est toi, tu m'as vu sortir furieux chez Maggie, je suis désolé. En fait, un Moblin Mo a écrit une lettre à Maggie, je venais la lui remettre, mais son père a refusé que je la lui donne. Refuser une lettre du facteur, non mais il n'est pas bien, hein. On n'a jamais vu ça.
En plus, comme cette histoire m'a attendri, je suis allé chercher cette lettre jusqu'à la forteresse maudite. Non mais quel échec de me retrouver là avec cette lettre. Enfin. Bon, j'ai encore du travail qui attend, je ne dois pas m'attarder ici. Mais au fait, ce n'est que des facteurs, mais que ce vieillard se méfie. Si c'est toi qui apporte la lettre, il n'y verra que du feu. Est-ce que tu veux bien apporter la lettre à ma place, qu'en dis-tu? Je m'en charge. Vrai, j'ai au moins fait de demander. Cette lettre dégage une odeur assez désagréable. Allez vite trouver Maggie pour la lui remettre. Et je te confie, c'était... On est quand même en train de parler de Tom Holbin qui a écrit une lettre, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Qui sommes-nous pour juger, hein? Voilà. Allez, retournons voir Maggie. Debout, dont j'en ai depuis si longtemps, laissez-moi la lire. Ces mots. Maggie, je t'aime tant que je voudrais te manger. Tu as dit ça, dit, tu as entendu? C'est, si ça se trouve, c'est. Une demande en mariage? C'est sûrement ça, enfin, moi, compris mes sentiments. La 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 la, ce jour, c'est notre amour. Au fait, il faut que je t'offre quelque chose. Oh. Prends-en bien soin, d'accord? Ouais, ouais. Bonne chance avec ton Holbin. Vraiment. Allez, on continue du coup sur la lancée des quêtes. Non mais je crois qu'il faut que je rentre par l'autre entrée. Et lui c'est l'ancien riche, mais la misère. C'est ça, ouais. Bon, enfin, il doit rester des quêtes à Mercantile, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'île de la rocaille. Non, c'est peut-être l'île de l'Aurore. C'est l'île aux forêts. Ok, donc on a l'île de la rocaille et l'île aux forêts. Et il faut que j'aille.
Sur l'île de Kissa. Qui est juste au-dessus de l'île aux forêts, donc on va aller à l'île aux forêts. Oui, je suis de l'autre côté, ok, d'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un arrêt par la galerie Tendo. J'ai dit que je ferais pas la quête en entier, mais histoire de vous montrer un petit peu à quoi ressemble la galerie. Une fois qu'on a les figurines, on va les déposer 2-3 photos que j'ai. Puis après, il faudra attendre, je crois, c'est 3 jours ou quelque chose comme ça. Du coup maintenant on peut rentrer. Voilà. À l'époque je vous avais dit c'est vraiment énorme cette quête. Voilà, ça c'est juste une salle. Et il faut à chaque fois remplir, enfin prendre une photo de tous les personnages. Donc là on est dans la salle de la mer, donc c'est tous les personnages qu'on croise en mer. Donc il y a le poisson, enfin il y a vraiment tout le monde. Et là j'ai donné mes deux lits. Parce que on pourra plus la reprendre en photo, mais enfin voilà. Autant vous dire qu'il y a vraiment énormément de choses. On va aller voir notre figurine de Medoli. Donc si vous voulez faire la quête de des figures Nintendo, hein, bonne chance. Hein. Sachez qu'elle est plus facile à faire sur le remake HD parce qu'on peut transporter jusqu'à 12 photos au lieu de 3. Ce qui, vous le concevrez, permet largement... Enfin, qui rend la chose plus simple. Parce que bien évidemment, ça comporte énormément d'aller-retour. Celle-là, l'île du dragon. Normalement. Non, ça c'est l'île de l'aurore. Nul. Parce que bien évidemment, chaque salle représente une île en particulier. Donc là, on a Mercantile.
Ah, c'est celle-là, la nuit du dragon. Voilà. Waouh, on peut l'admirer comme ça. Magnifique. J'aurais dû prendre en photo du Moria avant de sortir du temple du vent, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai dit que je ferais pas la quête, donc c'est pas très très grave. Mais voilà, pensez bien à prendre en photo les sages, parce que sinon, faut retourner les voir dans leur temple et c'est une horreur. Parce que vous devez refaire le cheminement dans le temple jusqu'à la salle du boss. Donc c'est pas très très pratique. Ah, il est là. Tout. Nickel, et ça nous fait un 13e cœur. C'est plutôt pas mal. Alors du coup, on va se rendre sur l'île de Kissa maintenant. Ah, comment ça, l'île de Kissa? Mais elle appartient à qui? Et il faut changer le sens du vent. C'est pas la bonne mélodie. Je me rends compte une fois que je l'ai joué en plus. Allez. De toute façon, on avait déjà découvert cette île, puisqu'on l'a noté. D'ailleurs, on a quasiment tout complété hein, sur la carte. Il manque pas beaucoup de cases à compléter. Hein. Faire revenir le jour quand même. Hein.
Je sais plus ce qu'il regarde lui, mais y a un calamar là-bas. Oh oh oh. Oh, intéressant. Vous trouverez devant la villa de Mrs. Marie, la jeune maîtresse de mercantile, en train. Le gardien. Très bien. Alors, je vais pas essayer d'y rentrer de suite, hein. En tout cas, elle est vraiment sympa, hein, sa villa. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a plein de rubis dessous. Voilà, bon écoutez du coup les amis, on va pas rentrer dans cette villa dans cet épisode. On va s'arrêter là pour ce magnifique épisode. On va se mettre sur notre transat. Voilà, nickel. Donc écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. La prochaine fois du coup, on ira explorer ce qu'il y a sur cette île et trouver le fragment de la Triforce qui s'y cache. Enfin la carte du fragment de la Triforce qui s'y cache. Et puis on verra ce qu'on fait par la suite. Donc écoutez les amis, d'ici là portez-vous bien. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye tout le monde.